Alors bonjour, je m'appelle Frédéric Lamprecht et je suis le cofondateur de l'Explorateur des métiers, un site sur la découverte des métiers. L'Explorateur des métiers, cette année, réserve beaucoup de ressources nouvelles pour ses abonnés, avec notamment des nouveaux films, dont une belle série sur les femmes dans le numérique, avec 18 portraits de métiers. Également au plan technique, on a fait évoluer la plateforme. Maintenant, il y a des possibilités de pouvoir mettre en favori les métiers qu'on a visionnés. Et puis, on lance un quiz cognitif qui va permettre de pouvoir évaluer les compétences cognitives d'un apprenant et de pouvoir les transférer en compétences métiers. Et puis, une nouvelle innovation qu'on annoncera sur le salon 2023, c'est la création d'une plateforme de mise en relation pour effectuer un stage. Donc, on pourra à la fois explorer les métiers d'un côté et aller les tester dans la réalité en postulant à des offres en ligne. Les impacts sociaux de l'Explorateur des métiers, ils ont changé ces dernières années puisqu'on a vu arriver maintenant des volontés des jeunes de se renseigner sur un métier, non pas par rapport au salaire qu'il peut en tirer, mais plutôt sur le sens qu'il va donner à sa vie professionnelle. Et donc on travaille de plus en plus dans nos interviews sur évaluer le sens professionnel de chacun des métiers. Et je crois que c'est en ce sens qu'on a marqué vraiment un tournant au niveau des impacts. Et puis, avec cette nouvelle fonctionnalité sur les stages, là aussi on souhaite s'inscrire dans la durée pour pouvoir à la fois explorer les métiers, mais pouvoir également les tester dans la réalité pour avoir vraiment une notion de parcours.